Salut à tous et bienvenue à cette vidéo. Bonsoir, ouais, je dis bonsoir parce que il fait nuit. Ouais, alors j'ai envie de faire une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Ce ne sera pas une analyse de style comme tous les lundis, enfin, ce ne sera pas un cours de technique et compagnie. J'ai envie de parler d'un artiste que j'ai rencontré cet été chez mon père à Martre-Tolosane, petite bourgade du Comminges dans la Haute-Garonne, à 60 km de Toulouse. Et c'est un mec qui m'a fait une claque phénoménale. Musicalement, j'ai rarement vu ça. J'étais sur le cul. Donc, on va recontextualiser un petit peu ça. Dans ce village, il se passe rien. Clairement, voilà. Enfin, c'est un petit peu à l'agonie en ce moment. Il n'y a pas de bar, mais il y a un petit café associatif. Voilà, là, qui s'appelle la Bulle en Vrac. Et tous les mardis, pendant l'été, ils font des concerts. Alors, c'est très varié. Vraiment très, très varié. Et j'avais entendu parler de ce mec par quelqu'un d'autre, là, par l'ami Florian, qui m'a dit « Ouais, il y a un mec qui joue la gratte, qui chante, qui fait l'harmonica, du blues, c'est terrible, il est passé en, je sais plus dans quel patelin. » Et j'apprends, voilà, je croise la patronne de la Bulle en Vrac qui me dit « Ouais, ben ce soir, c'est du blues, ça va te plaire et tout. » Ok, et j'y vais. Et là, putain, j'étais sur le cul total. Alors, ce mec s'appelle Zitoun, Olivier. Bon, Zitoun en arabe, mais c'est... voilà, Zitoun. Zitoun. Donc, c'est un guitariste, chanteur, harmoniciste, percussionniste de grand talent. Voilà, qui a 3 albums à son effectif, ici présent. Oh, j'ai craqué, j'ai acheté tous ses albums. C'est un mec qui est intermittent, donc c'est professionnel de la musique, qui baroude avec son van. Voilà, et son petit matos, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il utilise une sono là, qu'il alimente avec une batterie de moto via un convertisseur de tension. Je n'avais jamais vu ce système, je trouve ça très intéressant, ça donne envie de faire pareil. C'est la partie technique. Et ce mec jouait avec une guitare, mais des plus défoncées qui soient, je me demande même comment elle faisait pour tenir. Enfin, voilà, Et donc, Zitoun habite à Cassagnaver, je ne sais même pas combien il y a d'habitants dans ce village, c'est encore plus paumé que chez mon père. Et il fait des concerts ici et là. Donc, comme je disais, 3 albums. Ode au Vent, voilà, qui a... Celui-là, c'est assez lounge comme musique, c'est assez planant, tout ça, ça s'écoute tranquillement. Il y a Colors of Zitoun, très sympa, Paradise, là. Paradise Colors. J'aime beaucoup les pochettes, en plus c'est super sympa. Et mon préféré, Punch and Badass. Celui-là, putain celui-là, c'est du blues à l'état pur. À moitié bluegrass western, mais avec un son de ouf. Et quand vous vous regardez sur scène, ça explose encore plus. Voilà. Donc il fait partie de ces artistes qui font de la très bonne musique en studio. Mais qui s'exprime réellement sur scène. Et ça, alors, je me suis permis, avec son autorisation, de le filmer. Vous allez voir quelques petits extraits, voilà, tout au long de cette vidéo. Donc, c'est un mec, voilà, je vous conseille vraiment de le suivre. Il a une page Facebook, évidemment. Il est sur YouTube, même si je trouve que c'est pas assez... voilà, sur YouTube, il n'y a pas tout. C'est dommage. Il y a quelques vidéos sympas, mais il n'est pas assez médiatisé. Voilà, il n'a pas trop le temps, il fait ça avec sa nana, donc celle qui gère ses concerts. Mais vraiment, c'est un mec... j'en ai vu des bons. Attention, que ce soit en escale, même en Irlande, aux États-Unis. Mais des comme lui en France, j'en ai rarement vu. C'est ce concept de one-man band, voilà, où le mec il va taper avec sa paume de la main sur la guitare pour faire percussion, et il va garder un rythme. Tout en jouant, en faisant de l'harmonica, mais pas l'harmonica à la Bob Dylan ou Neil Young, non, l'harmonica de bluesman, quoi. Il va faire des altérations, en fait, c'est juste incroyable. Donc là, je parle depuis 4 minutes 30. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques incrustations vidéo. Voilà, alors le son sera ce qu'il sera. Mais voilà, pour que vous vous rendiez compte vraiment de l'étendue du talent de ce mec. De toute façon, il y a une chanson qui tourne en fond. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, on se revoit après ce petit extrait tranquillement.
this crazy Donc, ça décoiffe, hein ? La preuve, j'ai plus rien. Non, ouais, ce mec, c'est... Faut le suivre. Zitoun, n'hésitez pas à le contacter par Facebook ou quoi que ce soit. C'est un mec, comme je dis, il est libre. Il est attaché à aucune maison de disque ou quoi que ce soit. Il est avec son fourgon. Et il parcourt la France comme ça, à recherche de concerts. Et honnêtement, si vous pouvez aller voir dans votre établissement, enfin, l'ambiance qu'il met, c'est juste incroyable. Je rêverais qu'il passe à Brest. Là. Il me parlait de la Bretagne. Je lui ai filé quelques adresses, j'ai pas eu trop de nouvelles. Mais voilà, je sais qu'il est allé à Lyon, il a bien cartonné là-bas aussi. Et ça, voilà, c'est genre de mec, tu vois, il est paumé dans un bled où il se passe pas grand-chose. Mais c'est une pépite, enfin, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir sur sa page, à commenter cette vidéo, à diffuser. Je fais rarement la promotion d'artistes, c'est vrai. Pas que je ne veuille pas le faire, mais... Je pense que c'est pas trop mon boulot de faire ça. En même temps, moi, je demande pas qu'on fasse ma promotion non plus. Mais là, non, ça a été vraiment une révélation que je n'ai pas eue depuis très, très, très longtemps dans le monde de la musique. Voilà. Je pense que le dernier mec comme ça qui m'avait impressionné, c'était JB Faou à Brest, niveau blues. Mais depuis, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bon, quoi. Qualitatif et un mec sympa, un mec à nord, quoi. Enfin, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.